président, madame, messieurs les militants de l'UFDG, je voudrais commencer au nom de notre cher président Elhadj Senghou Dembélé l'applaudissement pour vous saluer, vous féliciter pour votre fidélité. Nous sommes à moins d'une semaine du mois 5 de Ramadan. Comme Marissa l'a dit, on a plein d'affaires sociales. Mais vous avez décidé, pour marquer votre fidélité au parti, d'être là aujourd'hui. Nous vous félicitons encore une fois de plus et nous vous encourageons. Pour lever les équivoques en ce qui concerne la réconciliation, il faut que je vous dise officiellement, la presse est là pour témoigner que l'UFDG n'est pas un parti d'opposition à l'heure actuelle. On n'est pas opposé au CNRD. Nous ne devons pas être affichés comme un parti qui ne veut pas la réconciliation. Nous sommes demandeurs de dialogue. Nous sommes demandeurs de réconciliation, mais dialogue structuré par la Mamaya. Réconciliation fondée sur la vérité, fondée sur la justice, fondée sur le pardon et surtout l'obtention de la garantie de non-récidive. Il faut que ceci soit clair pour tout le monde. Nous sommes d'accord pour la réconciliation, d'accord pour le dialogue, mais nous ne sommes pas d'accord sur les formes qui s'assimilent à la Mamaya. Il faut que ceci soit clair. Maintenant, nous avons accepté, même conseillé, que sur le plan humanitaire, que l'ancien président Alpha Condé aille se soigner à l'extérieur. Bien que lui, il ne va pas traiter comme des humains. Nous avons le vice-président Fondé Moussou qui avait des problèmes de santé. Il a refusé que Fondé Moussou aille se soigner. Notre président, sa famille, s'est séquestrée. Mais nous, on n'a pas opposé un ami contre son évacuation professionnelle. Maintenant qu'il a commencé à faire la politique, donc, heureusement pour lui, il est rétabli. Nous demandons au colonel de Bouillard de faire venir Alpha Condé à Conakry pour qu'on fasse la politique. Il n'a qu'à venir, ce n'est pas à Conakry, on va faire la politique. Depuis très longtemps, Alpha Condé a commencé à déstabiliser la Guinée. Je pèse bien mes mots. J'ai écouté Alpha Condé lorsqu'il était président, lorsqu'il s'adressait au cadre du Maliki. Il a dit que le RPG n'est pas fondé en Haute-Guinée, qu'il est fondé à Lona. Et qu'à l'époque, à partir de la Côte d'Ivoire, ils mettaient des tracts dans les sachets de l'eau pour les introduire à Guinée. Ça, c'est la déstabilisation des pays. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Depuis 11 ans, il continue de recruter les jeunes filles soi-disant pour déstabiliser les pays. Oui, c'est un seul. Je vois l'honorable vice-président Bandosso
c'est un seul loup. Je vois le roi seul humain qui est un seul loup. Je vois le noble l'auteur du courrier, c'est un seul loup. Je vois le raïe humain qui est un seul loup. Je vois le roi bien sénateur qui est un seul loup. Voilà, frère, nous sommes un seul loup. Nous avons 1000 seuls loups à l'UFDG. Ce n'est pas aujourd'hui, mais le parti est vivant. Personne ne peut vous déstabiliser. Oui. Personne ne peut vous recruter. Il n'a qu'à recruter la Miss Monde. Il n'a qu'à recruter la Miss Europe. La Miss ne pourra pas nous convaincre. Il faut que Alpha Condé le sache. Maintenant qu'il est débile, nous demandons au colonel de le faire venir ici. Ça, c'est clair. Maintenant, les erreurs du passé, je conseille vivement au président de ne pas envoyer les ministres faire l'agriculture. Nous avons besoin de nos cadres ministres au niveau. Si nous envoyons les ministres faire l'agriculture, c'est une erreur du passé. On l'a essayé, ça n'a pas marché. Le ministre n'a pas fait l'agriculture. Il va par les moyens de l'État. Son salaire ne suffit pas pour faire des champs. Il a un garde corps. Il a une véhicule. Il a la sécurité. Il va dans un village. Il est obligé d'abandonner le bureau. Le rôle du ministre, c'est pas faire l'agriculture. L'État doit trouver des moyens de supporter, de sponsoriser la culture. Le gourou que je pense, c'est le Banel. Il vient du coton cultivé au Mali. Ce coton est traité en Hollande et en Allemagne. Il retourne au Mali. Les Guinéens l'achètent au Mali. Il façonne la chemise en Guinée. Nous sommes interdépendants. Le Mali est sur le bassin du fleuve Niger. Mais aujourd'hui, le petit toyon qu'on reçoit à Kankan, à Conakry, vient du Mali. Alors que nous sommes sur le fleuve du Niger. Autrefois, la pomme de terre, les membres de Koumia étaient consommés au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal produit la pomme de terre. Le Sénégal est radical, il a donné un arrêt alimentaire. Alors que nous sommes interdépendants, nous sommes d'accord. Mais il faut que le gouvernement prenne une disposition pour booster l'agriculture. Ce n'est pas en envoyant le ministre de l'agriculture qu'on aura vraiment l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, nous avons l'impression que le CNRD ne donne pas une place visible aux partis politiques. On peut être magistrat, ne pas adhérer à un parti politique. Militaire, ne pas être parti politique. Mais tous les Guinéens, qu'ils soient militaires, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient chefs de l'État, votent pour un candidat d'un parti politique. Si vous prenez la Guinée aujourd'hui, l'UFDG, plus le RPG, plus l'UFR, les trois partis totalisent 97% des votants de Guinée. Est-ce qu'on doit le dire oui? Non. Vous ne pouvez rien construire de positif en ignorant ces grands partis. Il faut que ceci soit clair pour tout le monde. Si vous les ignorez, vous allez faire des erreurs graves du passé. Il y a des thèmes que nous n'acceptons pas.
La classe politique a échoué. Nous avons tous échoué. Nous, on n'a pas échoué. Le mandat qui nous a été confié, on l'a accompli. Les autoroutes, les ponts sont là pour le justifier. Et quand on dit, il y a des bourreaux et des victimes dans toutes les familles. Moi, ma famille n'a pas de bourreau. On a des victimes. Mon frère, le premier gouverneur de la ville de Conakry, c'est Kouyala Niyassane. Et rappelez le Cameroun, il est sorti avec nous. Il est mort avec nous. Si nous voulons reconcilier la Guinée, il est Guinée. Ça, c'est des termes qu'on n'a pas employés. À partir du moment où chaque famille a un bourreau et une équipe qui cohabite, ce n'est pas la même langue de reconcilier. C'est des termes bien graves. Et quand je vois des artistes, des jeunes artistes, qui disent la classe politique là, il faut la balayer. Le premier ministre d'ailleurs, ils ont tombé dans les institutions. Ces gens-là ignorent la géopolitique. Quel est le pays autour de nous qui a eu un président qui n'est pas passé par le point de premier ministre au point de l'Assemblée? Il y en a? Non, il n'y en a pas. Partout. Sauf à Guinée. Quand les gens sortent de nulle part, qui vont demander à des honnêtes gens de quitter le pouvoir, le laisser à la merci du monde. Nous ne sommes pas d'accord sur les problèmes comme ça. Maintenant, nous avons tout épuisé. 150 personnes pour une centaine de femmes violées en pleine journée au stade depuis 11 ans. Il n'y a pas de début de justice aujourd'hui. Plus de 200 morts assassinés par balle. Le président Sédar Yano, dans sa partie de commandement, a été agressé ici, en pleine journée. La balle a pris la lutte avant. Passé entre le garde-corps et le chauffeur. Passé entre le frère Mimono et le président Sédou. Aller verser la lutte ailleurs et sortir. La voiture a été exposée ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de bureau de justice. Plus de 20 personnes ont été assassinées. Simplement, après le troisième mandat, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu de réconciliation. La CEDEAO a parlé de fatigue. Les Nations Unies viennent en mission diplomatique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Il n'y a pas de justice. Depuis combien d'années? Il n'y a pas de dialogue véritable. Les dialogues qu'on a passés avec les résolutions qui n'ont pas été suivies du fait. Les sages qui devaient dire la vérité crue aux décideurs disent parfois la vérité, mais ce n'est pas suivi. Alors qu'est-ce qui reste? Nous sommes obligés d'assumer notre sort. De toutes les façons, la population. Alors, comme le grand Sylvain l'a dit, les jeunes de l'Axe, vous avez écouté le père de votre collègue, le père de Lakaya, la première victime de Alpha Condé, il est encore là parmi nous. Nous sommes obligés de défendre notre cause. C'est la seule voie qui me reste. Ceux qui chantent à l'envers de journée, ils n'ont pas de stratégie. Alors, ils sont demandeurs de nouvelles stratégies.
Ceux qui ont de nouvelles stratégies qui peuvent convaincre les forces de défense et de sécurité de la Guinée depuis 58 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes preneurs de ces propositions-là. Nous donnons le congé du mois de carême pour que les décisions véritables qui seront prises par la partie soient dévoilées. Nous ne pouvons pas éviter des manifestations pacifiques. C'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas, dans le contexte actuel, éviter des manifestations pacifiques. C'est la seule chose qui reste et que la loi nous autorise. C'est le seul recours. Manifestation pacifique. Nous avons applaudi le colonel Doumbouya le 5 septembre 2021. Nous ne le regrettons pas. Parce qu'il a dit tout ce qu'on voulait dire. La justice instrumentalisée, gabegie financière, l'administration inféodée. Dès qu'il a dit ça, nous l'avons applaudi. Jusqu'aujourd'hui, on ne lui a pas fait le dos, on n'a pas trouvé le dos encore. Nous espérons qu'il va tenir compte des 7 mois écoulés pour enfin renouer le dialogue avec la classe politique pour que tous les problèmes de la Guinée soient sur table et qu'on discute en guinéen. Si rien n'est fait, évidemment, on n'a pas de recours, comme je l'ai dit. La seule chose qui nous reste, c'est de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Mais on n'est pas un parti d'opposition. Actuellement, il n'y a pas un pouvoir légal ni un pouvoir légitime. Le pouvoir est légitime lorsque le pouvoir l'applaudit. Nous l'avons appelé le 5 septembre pour le légitimer. Si à la fin du mois de carême, les choses ne sont pas dans l'ordre, nous sommes obligés aussi d'applaudir pour les manifestations. J'ai suivi le compte-rendu du ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation dit qu'il y a 1028 écoles primaires qui sont des hangars. Des hangars encore au 21e siècle, avec un pays qui produit 80 millions de tonnes de bauxite par an, 1000 écoles hangars, 5000 écoles qui n'ont pas de point d'eau, 2000 écoles qui n'ont pas de latrine. Sur les 1000 écoles, 4 seulement grégorgent pour 4 salles. Avec tous les milliards de failles qui viennent dépasser en Haute-Guinée pour la fête tournante. Pour la fête tournante. 400 écoles en gare en Haute-Guinée. L'argent est parti pour faire le commissariat, pour faire la justice, le logement du préfet, le logement du gouverneur, la justice. Est-ce que c'est pas qu'on a développé un pays? Là où tous ces millions de réserves, tous ces millions de réserves ont s'y sorti. 200 écoles en gare à côté encore. C'est impardonnable. Nous demandons au président Doumbouya de laisser les menus fruitains. Les menus fruitains. En Guinée aujourd'hui, 2 milliards, 1 milliard, 5 milliards, c'est des menus fruitains. 200 milliards de francs guinéens détournés par des petites filles pouvaient permettre de construire 4 000 latrines équipées de pompes. 200 milliards, c'est pas transféré.
et les personnes qui sont présumées responsables de cette corruption, cette gagnerie, sont en train de vivre à la page. Au niveau de Dubaï, de l'Espagne et des États-Unis, malheureusement. Donc, nous allons aborder bientôt le mois de carême. La direction du parti a décidé que le samedi à venir, il n'y aura pas d'assemblée générale. Nous allons stopper les assemblées jusqu'à la fin du mois de carême. S'il y a une affaire qui nécessite un regroupement, une assemblée générale, la direction politique du parti fera un communiqué pour vous appeler. C'est sur ces mots que je vais lever la séance en vous remerciant, en vous félicitant et en vous souhaitant.